Bon, là, c'est bon, t'as mis le petit texte qui défile pour faire bidon. T'as mis le petit ovni aussi à côté, là, où on fait l'analyse bidon pour faire genre. Non, pas celui-là, l'autre. L'autre. Celui qui est là. Voilà, ouais, bouge plus. Ok, on peut commencer le stream? Quoi? Il est déjà commencé. Hey, bienvenue dans The Big Gamerski. Nouveau numéro, c'était fait exprès. Aujourd'hui, je suis perturbé parce que. Il est 4h27 du matin et je n'ai pas été encore satisfait en ration de boulettes. Et donc, je m'en vais à l'aventure dans un jeu assez hardcore qui est Ketsui. Ketsui, c'est un cave. Donc, les connaisseurs ont déjà l'oreille tendue. Ils disent, ouh, un cave. Mais il date de quand? De 2002, mon bon ami. Et il a quoi de particulier? Ben, il a de particulier qu'il est assez généreux en. Comment dire? En évitement. Voilà, je pense que la leçon du jour, ça va être l'évitement. Est-ce que je serai efficace? Je n'en sais rien. Alors, il y a un autre truc sur lequel il est assez original, c'est qu'on a lâché les sprites faits main du pur bitmap art de grands artistes pour céder aux sirènes des sprites manufacturés sous logiciel de 3D. Est-ce que c'est affreux? Est-ce que c'est horrible? On va le voir tout de suite. Ce sera beaucoup plus simple. Hop là. Donc voilà l'animal. Avec un bel artwork en intro. Et maintenant, on va saigner un petit peu des yeux, normalement. Alors, choix de votre vaisselle. Et oui, il n'y a qu'un vaisseau, donc c'est un vaisselle. Tir linéaire, tir étendu. Tir étendu pour Pépère, vous me connaissez. Et c'est parti. Il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel, hein. C'est comme tous les caves, c'est-à-dire que du moment que vous gardez appuyé, vous changez votre tir pour le concentrer. Il y a un déferlement non-stop de bonus à l'écran, on ne change pas une équipe qui gagne. En fait, c'est juste. Non, c'est exagéré, mais. On peut dire que c'est grosso merdo les sprites qui changent surtout. Mais que la recette reste la même. Alors, il est probable que je vous fasse des grands moments de silence, hein, parce que c'est un jeu où on se laisse déborder, on a tendance à pleurer un peu, beaucoup du sang, voire commencer à faire sortir ses organes internes par les orbites. Ce sont des choses qui arrivent. Alors quand vous maintenez le tir appuyé, il faut passer sur les zones que vous voulez loquer, sinon vous tirez dans le vide, comme un con. Mais une fois qu'elles sont loquées, elles sont loquées, et pas à moitié, quoi. C'est dommage, j'ai failli faire le niveau propre jusqu'au boss. Bon, niveau graphique, c'est magnifique. C'est limite un peu fouillis des fois. Parce qu'il y en a vraiment de partout. Et quand je vous disais qu'on travaillait l'esquive, je pense que vous comprenez que je me suis pas foutu de vous. Eh ben, je préfère que ce soit toi qui explosais plutôt que moi. Et toujours Michael Bay pour la réalisation derrière, pour les explosions qui sont absolument tonitruantes. Mais c'est ça qu'on aime. Faut bien l'avouer quand même. Alors, est-ce que ce jeu au nom à rallonge imprononçable est validé à votre avis? Je vous laisse réfléchir jusqu'à ma prochaine mort, qui ne saurait tarder d'ailleurs.
Ah oui, non, mais la bombe était nécessaire, là, madame. Ça ne passait vraiment pas, même en cherchant, en insistant, en étant gentil, en demandant, en disant s'il vous plaît, no way. Ah oui, on a du gros manique là. Hein. Oui, je joue comme un dieu, vous pouvez le dire. Vous pouvez applaudir des deux mains. Parce que moi-même, je ne sais pas trop comment c'est passé à un moment. Oui, je suis très honnête. J'avoue que les 3 pixels de cockpit m'arrangent beaucoup. De toute façon, c'est le principe du cave, ça aussi, hein. Avoir des hitbox qui sont grosses comme une poignée de pixels. C'est leur principe de base. Aïe, 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 je me suis jeté dessous. Alors, comme d'habitude, hein, si vous avez des amis épileptiques, invitez-les! Plus on est de fous, plus on rigole! Oh, dommage! Dommage! Oh, dommage. Eh oui, monsieur, faut les répéter vos patterns. Je sens que ça va être ma fête. Je sais pas pourquoi. Et je sens qu'on va se le faire en entier parce que je ne le connais pas et j'ai très très envie de le découvrir. Ça, j'avais pas envie d'y découvrir vraiment. Ça non plus. Ah, dommage. Oh, il me fait ma fête en long, en large, en travers, de toutes les couleurs. Il est dru celui-là, il est dru. Alors, je vous invite à regarder un stream de ce jeu sur YouTube où vous verrez un vrai super player le faire. Si vous n'avez pas envie de le faire vous, ce qui serait dommage. Parce que ça doit valoir le coup de voir un gars qui one credit ça, puis après qui peut-être même se fait le luxe de ne pas passer de bombe, va savoir. Bref, tomber sur un méga killer qui va vous dégoûter du shmup à tout jamais par ses talents et capacités à se faufiler entre la boulette de base, ça devrait être quelque chose de pas mal. Non, ça ne passe pas là, monsieur, je suis désolé. Il y a un moment où la contrariété l'emporte et faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Je t'ai dit d'arrêter là. Au début, ça chatouille, mais là, c'était vraiment de la grosse gratouille quand même. Hein. Bonjour, vous voulez pas crever, vous? Je me suis fait coincer dans le coin. Ah, je vais épouser ce jeu. Sérieux. Il est très, 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 très. Très 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 bien. Faut juste pas perdre le fil et rester dedans. Et c'est le plus dur de se remettre une fois qu'on s'est éclaté le vaisseau. C'est se remettre dans le bain pour retrouver un positionnement à peu près cohérent et avoir une petite chance de survivre au slalom entre les boulettes. Car là, on est vraiment en mode manique de la mort qui tue. Avec des pulsions ioniques par derrière et des tas de grosses vibes bizarres et étranges. Je dis n'importe quoi, mais c'est toujours ma théorie de me vider le cerveau pour mieux pouvoir slalomer entre les boulettes comme ça. Avec 5% de mes capacités seulement, j'arrive à jouer comme il faut à peu près. Vous ne me croyez pas. Je sens que vous ne me croyez pas. Je ne sais pas pourquoi. Oh
Non, non, c'est pas gérable ça, monsieur. Faut arrêter. Je vous demande de... C'est pas possible. C'était très sale, très très sale. Je crois qu'on va vraiment se le faire en entier. Là, c'est pas que je prends le pied, parce que c'est très tard, je suis fatigué. Mais je suis super heureux de vous faire découvrir ce jeu parce que je me suis tapé des streams avec des jeux complètement pourris juste avant. Et il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, je tombe sur un jeu quand même qui soit bien pour me faire plaisir. Et donc là, bah, vous avez dans le stream à la fois le côté découverte et à la fois le côté partage. Et à la fois, vous entendez quelqu'un qui s'éclate bien. Ce qui ne doit pas être désagréable. Le plus dur, c'est de se remettre dans le bain à chaque fois qu'on crève. C'est ça le plus compliqué dans ce jeu. À moi, à moi, à moi! Allons-y, calmement, s'il me laisse le temps. Oh putain! Oh non, 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 non! Je vais peut-être pas aller jusqu'au bout en fait, parce que là, je crois qu'il va me mettre une grosse, 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 énorme fessée! Oh, c'est la fête! Oh my god, qu'est-ce qu'il envoie? Oh le sale! Non, mais là, j'ai pas eu le temps de réfléchir à une issue potentielle pour me faufiler. C'était purement crado. Tu sors, tu sors, tu sors. Mais t'as vu ce que t'envoies? Mais c'est pas possible. Monsieur, on arrête. Si vous connaissez un gars qui le passe sans aucune bombe, je veux voir le stream. Parce que ça doit être spectaculaire. Et avoir un placement millimétré. Que seul le gars qui a parcouru le jeu je ne sais combien de centaines de fois doit connaître. Et il doit bien rigoler en regardant mon stream. Je m'en fiche, je continue. Je suis prêt à prendre encore des déculottés pour vous. Je suis prêt à souffrir, à ne plus cligner des yeux plus jamais. Vous voyez le gars dans... Ah merde, comment il s'appelle le film de Kubrick où il a des trucs sur les yeux pour... Et on le force à regarder des tas de choses horribles, comme ma mort à l'instant. Ah, diablerie. C'est dur, mais on aime ça. C'est dur, mais on aime ça. C'est la magie du chemin. Et puis, cette satisfaction, à chaque fois, quand vous arrivez à vous faufiler dans un passage à la con, alors que la situation était totalement désespérée, il y a toujours une petite fierté à ça. C'est assez marrant. Il m'a dégueulé des boulettes dessus, carrément, c'est immonde. Je sens pas celui-là, je le sens pas. Mais alors, je le sens pas, mais du tout. Il me vomit des boulettes dessus. Comment je fais, moi? Aïe 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 aïe. Ne me demandez pas. C'est le talent du pro, on va dire. Non, il n'y a pas de cheat mode. Vous allez voir, je vais finir par exploser. Bon, c'est lui qui a décidé d'exploser parce qu'il est fair play, mais normalement c'était moi. J'ai plus de bombe, les gars! Bah oui, mais. Je veux bien, mais là, il est énervé. Il faut que je me remette dedans. Là, je suis plus vraiment dedans. Donc, je vais pleurer. Et ils sont à deux contre un, c'est un peu dégueulasse. Messieurs, messieurs, on va s'arranger l'un après l'autre. Ça vous dit pas? Faut que je respire. Vous l'entendez la voix du Yakanshi? Vous l'entendez? Eh oui, eh oui. Je vais pas faire semblant. Ah non!
Oh! Alors, si votre ami épileptique n'est toujours pas mort, c'est que il simule. Parce que là quand même, on a tout ce qu'il faut. Hein. Ce jeu est super maniable en plus, c'est ça qui est délirant. Le vaisseau répond au doigt et à l'œil. Si il explose, c'est uniquement votre connerie à vous, quoi. Ça peut être rien d'autre. On va faire un petit peu de ménage quand même. Oh là là, oh là là, il a... Oh là 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 là. Je sais pas, je ne te sens pas, toi, je ne te sens pas. Tu ne me sens pas non plus, bah ça tombe Oui, mais quand on les connaît pas, ceux-là, monsieur, c'est très compliqué. Ils font mal. Et oui. J'ai fait de mon mieux, mais je ne pouvais pas faire mieux. Et il fallait pourtant faire toujours mieux. Ah, mais c'est pas fini. Ok. Mais quelle violence! Mais quelle violence! Je ne sais pas où il faut être positionné pour ce passage. C'est absolument n'importe quoi. C'est pas grave. On y va. C'est de la folie pure. Oh la vache, le fumier! J'ai cancel à la microseconde près. J'ai rien loqué. Je tire dans le vide. Purée, je sais pas comment le faire celui-là. Ça doit être intéressant vraiment de connaître ses patterns et de jouer avec. Parce que pour l'instant, il n'y a que lui qui joue. Hein. Moi, je souffre. Là, je suis en mode, aïe, j'ai mal, aïe, aïe, j'ai mal. Est-ce que je t'ai dit que j'avais mal? Non, attends, je vais te faire un dessin. Attends, j'allais appuyer sur envoyer. Il m'a déjà passé trois vaisseaux et je l'ai pas fini. Oh, j'espère que t'étais le dernier. Non, en fait, secrètement, je ne veux pas que tu sois le dernier. Parce que ce jeu est trop bien. Joie, il n'est pas le dernier. Horreur, il n'est pas le dernier. Mais ne serais-tu pas contrarié? Eh bien, si, un petit peu. Mais, voilà, quand on aime, on ne compte pas les boulettes. Hein. Et là, le score a dû exploser. Est-il possible de mettre plus de boulettes dans un jeu? Je me demande. Oh non, ça passait pas là. Grosse salle. On est mort en même temps, c'est ce qui me rassure. J'ai ma petite fierté. Aïe 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 aïe, c'est dégueulasse ça! Alors j'espère que monsieur va me redonner des bons bientôt parce que là je suis un petit peu triste. Un tout petit peu. J'ai les yeux qui pleurent. J'adore ce jeu. Je veux ce jeu en bonne arcade. Il faut que je l'essaye en arcade, impérativement. Bon, faut que j'y aille avec pas mal de monnaie sur moi, apparemment. Mais bon, comme tout le monde, hein. Et le cancel? Oh! Ah, c'est de l'hystérie. À ne pas confondre avec l'hystéria. À ne pas confondre avec un album de Def Leppard non plus. Ça y est, ça me reprend, je dis des conneries parce que là, il me casse les yeux. Il me casse mes yeux! Oh la vache! Je prends mon pied. Je prends mon pied. Faites comme si j'étais pas là.
Je veux pas, je veux pas. Putain, quel pied. 4h47 du matin et pas loin d'un orgasme devant un shmup. Vous y croyez? Oh, lui, il sent pas bon. Lui, il sent le. Il sent le blagueur alternatif qui n'aime pas beaucoup les gens. Donne-moi mes fucking bonus! Oui, non, mais là, j'y suis allé à la bombe sauvagement parce que c'était un poil tendu. Je n'avais aucune espérance de vie. Normalement, on compte des secondes, des microsecondes, mais là, je n'avais rien pour moi. Je n'avais plus que mes yeux pour pleurer. C'est indestructible ce truc ou quoi? Faites quelque chose, les gars, aidez-moi au secours! Oui, je suis quelque part entre la deuxième et la 164 millième boulette. Tu me vois? Houston? Bah, tu me vois pas, comment ça se fait? Je ne comprends pas. Pourtant, j'y suis, hein, regarde. Ah oui, non, mais il faut que tu soulèves le rideau de boulette, là. Je vais là-haut, c'est plus peinard. Eh non, c'était une mauvaise idée. Ah, il faut essayer, hein. Le truc qui me choque un peu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pause entre les niveaux. Et c'est épuisant. Je vous garantis que c'est vraiment épuisant. Alors, je ne sais pas ce que ça donne sur le stream, mais à jouer, je fatigue là. Je ne peux pas. Je ne peux juste pas. Je me sens victime. Oh purée, il va me faire chier. Oh, il va me faire chier. Mais il va me faire chier. Je vais arriver devant le boss, j'aurai cramé toutes mes bombes parce que je ne veux pas être la victime de ces salopards. Non! Mais vas-y, tire hors d'écran, te gêne pas. Fais comme si j'y étais pas. Tiens, j'ai craché le vaisseau tout seul contre un mur. On va faire comme ça. Ce sera plus simple. Oh, les nuées, les nuées! Eh oui, dommage. Perte de sang-froid, ça s'appelle. C'est sérieusement tendu. Bah d'ailleurs, vous avez dû le remarquer parce que je parle beaucoup moins que dans tous mes streams habituellement, étrangement. C'est bon, ça se passe tranquille, ça. J'aime provoquer. Oui, bah ça se passait tranquille au début, quoi. Je ne veux pas celui-là. Il n'est pas gérable. Monsieur, monsieur. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Le plus dur, en fait, c'est de se retenir d'utiliser les bombes. Parce que c'est pratique. Mais le vrai intérêt du jeu, c'est de tenter. De tenter l'intentable. D'oser l'improbable. Et de flirter avec la mort en permanence dans cette petite danse macabre dont on est la victime essentiellement parce que lui il n'a pas passé tant de vie que ça depuis tout à l'heure tandis que moi j'en ai cramé. Oh, ouh, là ça a dû envoyer du gros parce que je me suis mis à parler japonais hein, si vous avez remarqué. Ce qui est complètement faux d'ailleurs, j'ai dit absolument n'importe quoi. Mais bon, du moment que les gens y croient, c'est ce qui compte. Monsieur, va falloir songer à. Bah oui, il y a un autre groupe après. Et oui, vous squattez la scène un peu là. Non, 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 non.
Oh la déculottée. Mais c'est non-stop là, les gars! Il faut trouver une solution, on va pas s'entendre. Alors dis-moi, tu es le dernier, mais c'est à grand regret. Non? Même pas? Si. Une vraie pause. Alors depuis que j'ai lancé le jeu, je n'ai toujours pas cligné une seule fois des yeux, donc. Je vais en profiter pour me passer les pupilles sous la flotte. Ah oui, non, mais je vous laisse profiter du générique de fin sans forcer parce que ce fut une épreuve, comme on dit. Oh, de l'eau. Donc ce kitsu est totalement validé, puisque vous voyez bien que niveau rejouabilité, il y a de quoi s'amuser. Et tout progressivement, bah, vous apprendrez à jouer à ce jeu en consommant moins de crédits, voire peut-être un jour arriver à le one credit, voire ensuite potentiellement utiliser uniquement les trois bombes de départ, voire peut-être même un jour zéro. Mais alors là, appelez-moi, j'ai envie de voir le truc, quoi. Parce que je ne m'en sens pas très capable de cette performance. Un grand moment, ce fut un vrai bonheur. Alors, pas super long. Bah non, le jeu est très speed, on a duré 26 minutes. Sans vraiment de bouche-trou. Eh bien, bravo Kev. Merci pour ce jeu extraordinaire qui va d'emblée rejoindre la crème. On peut le mettre directement dans le top 10. Dans le top 10 des sections qui est Ketsui, Kizuna, Jigoku, Tachi. Ce jeu est absolument génial. C'est un must-have. Il vous le faut impérativement. Sur ce, je vous abandonne. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau stream, un nouveau jeu. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao. Je vais me reposer, moi.